Comment est-ce que je vois la ville de demain? Donc là, ça fait appel à mon petit enfant, c'est vraiment cool comme question. Je la vois en musique, en magie. Je la vois simple, mais à la fois complexe dans sa réflexion, pour aboutir à des comportements qui tendent vers les autres aussi, sans être trop dans l'individualisme. Toute pleine de joie, de plaisir simple, d'un sourire, d'un mot doux. Je la vois d'un œil très... très aiguisé, mais à la fois aiguisé dans cette positivité qui nous représente tous autant que nous sommes par l'amour, avec un grand A. Et je la vois pleine d'éducation, je la vois pleine de partage, je la vois pleine de moments inattendus, de rencontres fortuites. Je la vois juste kiffante, quoi. Qu'est-ce que pour moi la transition? La transition, c'est une dimension assez représentative d'un mouvement en général des citoyens. On est les acteurs et les bâtisseurs de demain, donc on passe par des évolutions et des changements qui sont assez simples pour moi. Donc ça passe par l'intelligence, par le savoir, par la liberté de pouvoir s'exprimer, par la liberté de pouvoir se regrouper les uns les autres autour de problématiques qui sont assez importantes aujourd'hui dans notre société. Donc par l'alimentaire, par le fait que chacun d'entre nous puisse faire un geste au quotidien pour le bien commun, donc pour peu importe, pour soi, pour son voisin, pour son chien, enfin rien à faire quoi. Mais en gros le but étant de tous se représenter les uns les autres en tant que citoyens. La Biennale pour moi c'est une représentation assez symbolique, mais c'est un symbole très fort parce que ça représente une unité. Voilà. Et aujourd'hui cette unité-là elle a besoin d'être articulée autour de mouvements et de partage et d'événements comme la Biennale ou comme d'autres. Hein. Mais la Biennale, elle est importante. Mais c'est un moment génial parce que on est tous libres les uns les autres de pouvoir échanger. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est un droit immuable et ça me semble important de pouvoir échanger sur des choses qui sont de facto très importantes en ces temps.